Good morning, Aleiden, et tu te aujourd'hui le Nishmat Mourir Bishmoel Ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin Ben Rachel, Ben Mazal, ainsi que l'Irfouat Sarah, Bat Petirivka, Rafael Zoulon Ben Chayam Alia, et Myriam Bat Rassida Bedor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha à contacter la sécurité éternelle, nous étudions Maseret Cholin, Perek Bet Mishnachet, Ashochet Leshem Harim, Leshem Gvaot, Leshem Yamim, Leshem Neharot, לשם מדברות, שחיטתו פסולה. שניים אוחזים בסכין ושוחטין, אחד לשם אחד מכל אלו, ואחד לשם דבר כשר, שחיטתו פסולה. On va parler cette fois-ci de Avoda Zara. Comme dans le Mishnah précédent, d'ailleurs, on avait parlé du Goy qui avait une intention. À présent, on continue le sujet de la Shkita au nom de l'Avoda Zara. On avait cette fois-ci quelqu'un qui est Shochet Leshem Harim. Quelqu'un qui fait une shrita, qui abat un animal en l'honneur des montagnes. Ou encore, les Shem Gvaot, c'est une autre forme de montagne, une plus grande, une plus petite, un mont. Les Shem Yamim, au nom de la mer, les Shem Neharot, au nom d'un fleuve, pour l'honneur d'un fleuve. Les Shem Midbarot, ou pour l'honneur d'un désert. Dans tous ces cas de figure, la shrita, elle est psoula. Et on explique rapidement, je ne sais pas comment fonctionne la Avodah Zara, donc je ne peux pas vous donner des cours dessus, je ne sais pas qu'est-ce qui veut dire quand on égorge au nom d'une montagne, qu'est-ce qui veut dire quand on égorge au nom du désert, je ne sais pas exactement quelle est l'intention, au Hachem qu'on n'a pas du tout ce Yetzirah, on ne sait même pas à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça veut dire, bien que j'ai déjà vu quand j'étais dans ma jeunesse, j'avais vu un film américain où là-bas, il y avait des Noirs américains qui buvaient de l'alcool. Quand ils ouvrent une bouteille, ils versent un petit peu par terre pour les morts. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça le principe de la Avodah Zara, de vouloir donner, offrir une part. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire qu'il égorge au nom de la mer. Est-ce qu'il veut servir la mer? Peut-être qu'il est en haute mer, il a peur que la mer, elle va le truc, donc elle va le faire couler. Donc il s'imagine que s'il va lui faire une offrande, il va égorger l'animal au nom de la mer elle va s'apaiser. Apparemment, c'est un peu, j'imagine que c'est ce qui lui traverse la tête à ce monsieur. D'accord? Je ne peux pas vous en dire plus, désolé, Baruch Hashem, que je ne sais pas à quoi ressemble la voix d'Azara. Donc, j'ai plein d'autres Yetzirah, mais celui-là, sûrement pas celui-là. Donc, en tout cas, dans tous ces cas de figure, la Mishnah enseigne que la Shrita, elle est psoula. Là, le Barthénora allonge pour vous expliquer quelque chose d'important. La Shrita, elle est psoula, mais l'animal, il est permis au profit. On a le droit d'en tirer profit. Parce qu'en réalité, il faut savoir, lorsque quelqu'un fait de la Avodah Zara, il va égorger un animal en l'honneur de tel Avodah Zara, de telle idole, eh bien, l'animal devient interdit à la consommation. Interdit même en tirer profit. Ça s'appelle une tikrovet Avodah Zara, zivre metim. Il y a marqué dans le pasuk, dans Tehilim, vayochlu zivre metim. On considère que les égorgés à une Avodah Zara, c'est comme si que, on l'a égorgé, elle a un statut de mort. Zivre metim, c'est la traduction. Un sacrifice pour les morts. Donc de ce fait, on déduit là, au même titre que comme les morts. D'accord? On n'en tire pas profit. L'Avodah Zara non plus, c'est des zivre metim. Maintenant, ça, c'est lorsqu'on fait une vraie Avodah Zara. Ce qui se passe dans notre Mishnah, c'est que les choses pour lesquelles il égorge, ce sont des choses fixées au sol, naturellement, et dans ce cas-là, on les rend pas à Avodah Zara. C'est une halakha qu'on apprenait quand on apprenait à Avodah Zara. Personnellement, je m'en souviens, même moi, je ne m'en souviens plus tellement. Je me souviens vaguement de l'idée, mais pas dans les détails. Elohim, Alaharim, Veloharim, Elohim. La Avodah Zara qui est interdite par la Torah, ça y est. Si on va prendre ce stelver et on va se prosterner à lui, on va le rendre en Avodah Zara, on va égorger un animal pour son honneur, il va devenir Avodah Zara, on ne pourra plus en tirer profit. Mais si je vais prendre une montagne, quelque chose de naturel, la mer, le désert, quelque chose qui n'a jamais été travaillé par la main humaine, et je vais le rendre Avodah Zara, ben il ne va pas prendre un statut d'Avodah Zara. Ça c'est une chose, parce que Elohim, Alaharim, leurs dieux qui sont sur les montagnes, Velo et Harim, Elohim. Et pas les montagnes qui sont elles-mêmes leurs dieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre une montagne, on ne peut pas diviniser une montagne, on ne va pas la rendre une divinité. De ce fait, la Mishnah maintenant m'enseigne. En fait, entre les lignes, elle m'enseigne deux choses. D'une part, lorsque je vais égorger un animal pour la montagne, pour la mer, pour le désert, eh bien, puisque ce ne sont pas des choses qui peuvent être divinisées selon la halakha,
Donc l'animal que je vais égorger ne va pas lui-même devenir Tikrovat Avodazara, il ne va pas devenir lui-même interdit par la Avodazara. Donc il est même permis, en théorie, même à la consommation. Le problème, il est que les gens risquent de les confondre. Chachamim sont venus les confondre avec une Avodazara. Chachamim sont venus et nous ont dit, tu sais quoi, on interdit à la consommation. Comme ça, les gens vont bien réaliser qu'il y a un problème de Avodazara ici. Ils ne vont pas se confondre avec une vraie Tikrovat Avodazara. Ok ? Principe est clair. On avance. Donc, si on conclut, l'interdit ici, ce n'est qu'un interdit des Rabbanan. Parce qu'en théorie, ça ne prend pas un statut de Tikrovat Avodazara, d'offrande, de donation à la Avodazara, étant donné que ce ne sont pas des choses qui peuvent devenir Avodazara. Maintenant, on continue. Shnayim Ochazin Masakin Veshochatin. Deux personnes qui attrapent un couteau et égorgent en même temps. On avait appris qu'on peut faire une shrita même avec deux personnes qui attrapent ensemble le couteau. Les deux le manche, ou un d'un côté, un de l'autre, et ils scient en harmonie sans enfoncer le couteau, bien sûr. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Echad Leshem, Echad Mifalelou, l'un a l'intention de le faire en l'honneur de toutes ces choses-là qu'on a évoquées. Ouais, de faire une offrande de Avodazara, donc à la montagne, à la mer, au fleuve, au désert, tandis que l'autre, Vechad Leshem Davar Kacher, et l'autre il a l'intention de faire la Shrita comme il se doit, comme la Lacha de requiert, pour le consommer uniquement. Donc vous avez compris le problème là, cette fois-ci qui se passe. Dans la première partie de la Mishnah, on parlait de quelqu'un qui égorge pour la montagne. Cette fois-ci, ils sont deux en train d'égorger. Un, comme il faut, et l'autre, il a l'intention de le faire pour la montagne. Est-ce que c'est devenu assour pour... c'est devenu un interdit... Est-ce qu'il y a un interdit de la Avodazara ou non? La Mishnah enseigne de nouveau Shritato Psula. Sa Shrita, elle est invalidée, elle aussi, parce que finalement, il y a de la Avodazara dedans, au moins mis des Rabbanan par décret. Première chose. Deuxième point à préciser, c'est le Tosot Yom Tov qui nous rapporte une discussion. Je vous jette très rapidement l'idée. Il y a un principe que En Adam Oser Davar Shen Oshelo. C'est une marque dans la Gemara. Est-ce que dans la Mishnah, c'est fréquent, ça se trouve dans Kilaïm, dans plusieurs endroits. Est-ce qu'un homme a la capacité d'interdire quelque chose par sa parole, par sa pensée? Est-ce qu'il a la capacité d'interdire quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre? Imaginez par exemple, vous avez fait un beau stender. Par exemple, vous avez acheté un beau livre et quelqu'un va venir et va se prosterner et va le rendre une divinité. Est-ce qu'il va rendre cette chose-là à Avodazara ou non? Il y a une règle qui nous dit « En Adam Oser Davar Shen Oshelo ». Un homme n'a pas la capacité d'interdire quelque chose qui ne lui appartient pas par la pensée uniquement. Il faut... D'accord? Donc selon ce principe, je ne peux pas égorger un animal qui ne m'appartient pas avec l'intention de le faire pour la Avodazara, c'est-à-dire, je m'explique, je peux le faire, mais si je vais égorger un animal qui ne m'appartient pas avec l'intention de la Avodazara, je ne vais pas avoir la capacité de le rendre Tikrovat Avodazara, puisque ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas, moi, décider que je vais le rendre à Avodazara si ça ne m'appartient pas, ça vous appartient. Quelqu'un, ouais, vous avez votre animal, au moment de l'égorger, moi je vais l'égorger au nom de la Avodazara. Vous m'avez payé, je suis chochette, vous m'avez payé pour faire la Shrita, et puis au moment où je l'égorge au nom de la Avodazara. Eh bien, il y a une règle qui me dit « En Adam Oser Davar Shem Oshelo » Un homme ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Mon intention ne peut pas venir interdire votre animal qui est à vous. Donc le Mashkita est Shrekshara. Selon ce principe, il faut préciser que lorsque les deux personnes la rattrapent le couteau et l'égorgent, il faut dire qu'ils sont tous les deux associés dans l'animal. L'un, les deux ont une part, ils sont associés dans l'animal, donc l'un il veut le faire au Avodazara et l'autre il veut le faire comme il se doit. Et malgré tout, la Mishnah est venue m'enseigner que c'est assour. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Kol Tov, Salam.